Et les plaques de chocolat, je les mets au frigo pour qu'ils soient bien froids. Et après, je les mange. On a parlé cuisine avec le chef Philippe Etchebest. Mais il n'y en a pas. Parce que je mange tout. Je ne suis pas difficile. Pour moi, c'est jeter, c'est gaspiller. Voilà, ça, c'est pas supportable pour moi. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Les gaufres que fait ma mère. Elles sont super bonnes. Oh, facile, il n'y a même pas besoin de se fâcher parce que c'est évident, c'est chocolatine. Je me rappelle d'un épisode, c'était le 50e d'ailleurs, c'était une famille. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais cette femme m'avait beaucoup touché dans son discours. C'était quelqu'un de très courageux, qui avait eu des galères toute sa vie, mais qui s'était toujours battu, sans jamais se plaindre, pour faire face aux difficultés qu'elle avait rencontrées. Et cette femme m'avait beaucoup touché, m'avait beaucoup ému. C'est peut-être le jour où j'ai ouvert mon restaurant, où j'ai eu très peur en fait. C'était une sensation un peu bizarre, c'était la première fois, c'était ma première affaire. Et j'étais pas fier en fait, j'étais très, très stressé. Mais ça s'est vachement bien passé en fait.